Salut. Bonjour. Salut Kevin. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Alors, je commence toujours l'interview par une question basique. Comment t'es arrivé dans le terrier du lapin? Donc moi, je bossais sur des moyens de paiement sans contact, tout seul. Hein. J'aime bien l'électronique et c'était avant les moyens de paiement NFC, enfin les cartes bancaires NFC, tout ça. Donc il y avait déjà la technologie NFC, mais personne l'utilisait. Et du coup, je réfléchissais à comment on pouvait utiliser ces puces NFC qui étaient utilisées dans les passeports, mais c'était tout en gros, pour justement payer des trucs. Et je me disais que dans les bijoux et les trucs que tu portes, c'est sur tes mains, sur tes bras, ça pourrait être assez cool, tu vois, de payer en mode vite. Bref, donc j'ai construit des prototypes, je trouvais ça assez marrant. Et ça marchait, du coup je suis allé voir des investisseurs. Et ils m'ont dit, ouais c'est cool, mais t'as une autorisation de la banque centrale. J'ai fait, c'est-à-dire? C'est quoi? Et du coup je me suis renseigné, j'étais en Irlande à l'époque. L'Irlande c'est un pays relativement simple pour avoir ses autorisations. Et une autorisation que je pouvais avoir, genre les plus simples, c'était 6 mois minimum avant d'avoir une réponse et 100 000 balles en avocat. Waouh. Voilà. Donc en gros, non. Parce que les investisseurs vont pas te donner d'argent si t'as pas l'autorisation. Ouais. Et tu vas pas dépenser 100 000 balles quand t'es un mec, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, mais j'avais peut-être 22, 23 ans. Okay. Non, quoi. Et du coup, j'étais un peu, bon, j'étais là, bah, c'est dommage. Et il y a un groupe de mecs qui me contacte par email, je crois que c'était par email. Ils me font, ouais, on a entendu parler de ta start-up et tout, nous on est à Dublin aussi, est-ce que tu veux prendre un café avec nous? Je suis là, ok. Et du coup, je vais au café, je sais pas combien de temps tu veux faire l'interview parce que là, je te raconte ma vie. Hein. On couvre au pire. Ok. Mais ça, c'est intéressant. Donc, du coup, on va dans un café, un Costa Café à Dublin. Et il y a trois gars, ils sont là, on discute et tout, ça se passe bien. Et ils m'expliquent qu'eux, ils travaillent sur un truc qui s'appelle Bitcoin. Et que, en gros, ben, mon produit, ça les intéresse. Et puis, ils me disent aussi que ben, Bitcoin, il n'y a pas de régulation. À l'époque, il n'y avait rien. Donc, Banque Centrale, les emmerde, tu vois, enfin, c'était même pas couvert. Donc je pouvais faire ma start-up et oui, c'était content aussi. Et pendant ce café, il y a le téléphone d'un des mecs qui sonne. Sur le téléphone, c'est t'as écrit Google. Et le mec, il est là, mais what the fuck, c'est des gros privacy machin. Et marqué Google, il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et il répond, et c'était l'équipe de sécurité de Google qui l'appelle pour le remercier parce que c'était le mec qui avait trouvé la vulnérabilité. À l'époque, il y avait une vulnérabilité dans une librairie JavaScript, non Java, sur Android, je me rappelle plus laquelle. Mais en gros, tous les wallets qui étaient les wallets Bitcoin généraient de l'entropie qui était pas assez grande en fait. Et le mec avait trouvé qu'il pouvait y avoir des collisions, gros truc à l'échelle de Google et tout, et voilà. Donc c'est assez hors de ce monde, tu vois, c'était ce petit café. C'était là, bon, ils ont l'air legit quand même, tu vois. Et de là, je suis allé bosser dans le coworking space avec eux et je me suis mis à temps plein sur Bitcoin. Non. C'était en Irlande il y a 10 ans. Ok, cool. Bon début. Voilà. Impressionnant. Du coup, aujourd'hui, c'est Liana, un nouveau projet. Yes, et de quoi ça parle? Donc Liana, c'est un produit qu'on a lancé il y a 3 semaines, la V1. Donc c'est vraiment live, ça y est, c'est lancé, quoi. Ouais, c'est du gros boulot et on est content de l'avoir fait. Liana, c'est un des produits de notre entreprise qui s'appelle Wizard Sardine. Wizard Sardine, c'est une entreprise qui a 3 ans, qui a commencé à travailler sur Revolt, qui est une architecture infrastructure de Vault sur Bitcoin. Donc un truc super avancé, super technique. Pareil, on-chain, du gros script. Mais Revolt, c'est tellement compliqué que finalement, on s'est dit, bon, on va peut-être faire un truc un peu plus simple. Et donc Revolt, c'est un peu en pause. Et là, on se focalise uniquement sur Liana. Liana, c'est un wallet, un portefeuille Bitcoin. Comme tous les portefeuilles Bitcoin, voilà, tu l'utilises normalement, tu sais, tu mets des adresses pour dépenser, le montant, voilà, normal. Tout ça, wallet sur PC. Et la différence avec les autres wallets, c'est que c'est un des premiers qui te permet d'avoir des time locks. Donc je sais pas comment on le dit en français. Donc des time locks qui peuvent activer des clés après une certaine durée. Donc t'as ta clé normale pour utiliser ton wallet tous les jours. Ouais. Et disons que si tu arrêtes d'utiliser ton wallet pendant 1 an, et ben la clé de ta famille va être valide sur ce wallet. Donc ça te permet par exemple de gérer l'héritage. Alors qu'aujourd'hui, tu partagerais directement ta clé avec ta famille et tu fais super gaffe pour pas qu'ils la perdent, donc pour pas que la femme de ménage trouve la clé et tire tes fonds, ou que ta famille te tire tes fonds directement. Voilà. Donc là, on résout ce problème. C'est aussi utile pour plein d'autres trucs, pour les business. Si tu as un désaccord sur un 2 sur 2 entre co-founders, par exemple, eh ben, tu peux ajouter ensuite, après un time log, les clés de la board of directors qui vont résoudre ce problème. Tu peux aussi avoir des time logs sur tes backups, donc tes 24 mots. Ouais. Si quelqu'un les trouve, eh ben, ils sont derrière un time log, du coup, ils peuvent rien faire avec. Donc voilà, on peut faire plein de trucs. C'est utilisable, donc les gens devraient essayer de l'utiliser aujourd'hui. On l'a utilisé, c'est cool déjà. Voilà. Donc, ça rend bien, l'interface est cool. Il y a encore du boulot pour simplifier vraiment pour les normies. Mais là, pour n'importe quel utilisateur qui a déjà touché Bitcoin, c'est vraiment la même user experience que d'habitude. Ouais. Sauf qu'il y a des mécanismes de sûreté qui sont ajoutés en plus. Ok, ça marche. Du coup, ton interface, c'est sur l'ordi. Ouais. Tu as besoin d'un hardware wallet à côté. Tu conseilles quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu des problèmes avec Ledger. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus où donner de la tête. Il y a eu un drama avec Ledger. Avec Ledger, mais il n'y a pas eu de problème avec Ledger. Okay. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce que les gens perçoivent et la réalité, c'est vraiment, vraiment différent. Donc oui, pour utiliser Liana, il vaut mieux avoir un hardware wallet. Ouais. Tout simplement parce que on peut l'utiliser avec des hotkeys, avec des clés qui sont directement sur ton PC, mais la sécurité de ton PC est pas aussi bonne qu'un outil dédié pour stocker tes clés. Les signing devices, les hardware wallets,
les portefeuilles matériels, c'est vraiment recommandé. Il faut qu'ils supportent un truc qu'on appelle Miniscript sur Bitcoin. Okay. C'est nouveau, c'est ce qu'on utilise. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de hardware wallet qui le supportent. Il y a Ledger et il y a Spectre DIY. Cette semaine, il y a Jade de Blockstream qui a fait une transaction de démonstration. Okay. Mais ce n'est pas encore officiel, mais ça a été publié avec Liana, ça marche. Et SeedSigner, il y a un peu plus d'une semaine aussi. Pareil, pas officiel, mais ça marche. Donc hardware wallet, oui. Lesquels utiliser? Moi, j'ai pas de recommandation particulière, mais j'ai pas non plus peur de Ledger. Je pense tout à fait que le Ledger Recovery, ça a été fait un peu n'importe comment. Mais en soi, c'est pas une attaque. C'est juste que c'est super bizarre de partager ta clé avec un groupe de tierce partie où s'ils colluent, ils peuvent te voler tes fonds. Enfin, je comprends pas, quoi. C'est pas une attaque, c'est juste débile. Alors que nous, justement, on a un outil qui est complètement compatible avec Ledger, qui te le fait avec des timelocks où les tierce parties peuvent pas te voler tes fonds. Bon, je suis très content, ça nous fait de la pub. Mais voilà, tu peux garder ton Ledger, utiliser Liana, on fait la même chose sans les risques. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais un dernier mot, des conseils pour un nouvel utilisateur, quelqu'un qui veut apprendre Bitcoin, qui veut s'y mettre? Ouais, ça c'est difficile. J'ai beaucoup de mal avec ça, parce que moi ça fait vraiment longtemps que je suis sur Bitcoin. Quand j'ai commencé, il y avait pas de shitcoin, donc c'était facile de trouver de l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi beaucoup de misinformations, mauvaises informations. Donc c'est très dur de commencer quelque part. Je pense que bah, pour les Français, il y a Découvre Bitcoin qui a une bonne ressource. À niveau outils, bah, ça dépend vraiment de l'utilisateur. Je pense pas qu'il faut avoir peur de garder ses propres clés. Utiliser des tierces parties, c'est risqué. Il faut que les gens comprennent que vraiment le risque est là et plus la valeur augmente, plus le risque augmente et un jour les fonds vont disparaître. Donc garder ses clés, faire des sauvegardes propres, c'est important. Je pense que les outils comme Liana, ça va être intégré dans tous les wallets d'ici quelques années pour que justement les 24 mots ou les 12 mots ne soit pas un risque terrible comme on a maintenant. Les gens les stockent à la maison n'importe où. Quelqu'un qui le trouve, il n'y a plus d'argent. Bon, avec Liana, on peut protéger ça. Donc je pense vraiment que les outils avec des time locks, ça va se répandre très vite et ça va permettre aux gens d'utiliser de la self-custody, mais sans avoir les risques actuels. Voilà. Bah, je te remercie pour votre solution. Parce qu'en vrai, ça enlève un gros poids. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient stressés avec tout ça. Et en vrai, c'est vrai que votre solution, elle change quand même la donne. Et voilà. C'est vraiment cool. Et on peut les aider. Donc pour l'instant, Liana, ça reste un wallet, voilà, comme je te disais, sur desktop, donc sur l'ordinateur. C'est peut-être pas ce que les gens veulent utiliser toujours. En tout cas, la plupart des gens qui débutent ont souvent un wallet sur leur mobile. Bon, nous, c'est vraiment desktop. Mais si les gens veulent l'utiliser, veulent déjà set up un plan d'héritage, par exemple, même s'ils ne sont pas techniques, on peut les aider. Donc, on fait ça comme service. Nous, notre wallet est gratuit, c'est complètement open source. Par contre, on a des services qui sont payants où on peut aider quelqu'un à set up son Liana, aider la famille à récupérer les fonds si besoin, etc. Donc, on offre ces services pour les gens qui sont peut-être moins techniques ou qui n'ont pas envie d'avoir à gérer toute cette phase d'apprentissage. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut offrir sans être un tiers de confiance. Super, voilà. Cool. Bah, j'invite tout le monde à aller voir votre site. Wizardsardine.com/Liana. Ok. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour ton temps. C'était super. Merci à toi. À la prochaine. À plus.